La princesse de Galles aurait donné sa bénédiction à la duchesse de Cornouailles et à son futur rôle de reine consort, affirme l'un des proches collaborateurs de Diana. En tant qu'ex-épouse de l'héritier du trône, Diana aurait concilié ses différends avec le prince Charles et Camilla Parker Bowles, qu'elle a décrit comme la troisième personne de leur mariage condamné. Cependant, il est peu probable que Diana et Camilla soient devenues de grandes amies, mais simplement des connaissances. C'est la perspicacité de l'auteur royal Stuart Pearce. Pearce, l'une des amies les plus proches de la princesse de Galles au cours de ces dernières années, estime que la rivalité amère et la tension entre les deux femmes de haut niveau au milieu des années 90 se seraient apaisées. Il a ajouté que même le futur rôle de Camilla aux côtés de Charles ne serait pas un problème car Diana était en contact avec une position de son propre pouvoir. La reine avait annoncé plus tôt cette année que Camilla deviendrait reine consort lorsque Charles deviendrait roi. Pearce, l'entraîneur voix et présence de Diana, a déclaré: je suis sûr que Diana le soutiendrait pleinement. Elle aurait eu 26 ans à vivre avec l'idée de la séparation. Il a ajouté, au cœur même de l'être de Diana, elle était l'une des personnes les plus généreuses, l'une des plus gentilles, l'une des personnes les plus aimables que j'ai jamais rencontrées. En mesurant la façon dont Camilla a été au cours des 25 dernières années, et particulièrement au cours des 17 dernières années en relation avec Charles, j'ai l'impression qu'elle a été extraordinaire dans le rôle qu'elle a joué. Elle l'a pris presque comme un canard à l'eau. Elle a évidemment eu le soutien incroyable de la reine, de son mari et, de son vivant, du prince Philippe. Lorsqu'on lui a demandé si les femmes seraient devenues amies, Pearce a répondu: je suis sûr qu'elles se considéreraient avec un grand intérêt et une grande curiosité. Mais, bien sûr, ce sont des femmes très, très différentes. Il a ajouté, ils ne seraient pas les meilleures amies. Pearce pense que l'humour de Camilla est un atout dans son mariage. La seule chose que j'aime toujours chez Camilla, c'est son humour. Elle est en fait très, très drôle. Et ainsi, elle est capable de déloger toute hypersensibilité qui existe chez son mari.